Ouvrir sa chaîne YouTube rentable dans seulement 5 minutes. 1, 2, 3, 4, 5 minutes chrono, gros max. Alors tu dois le faire avec moi, on va y aller étape par étape. Mais avant de continuer, je voulais vous dire, c'est la première fois, abonne-toi. Et je vais répondre à notre abonné qui a dit, Tata Linda, moi je vais pas me lancer sur les réseaux parce que j'ai pas des habits, ma chérie. Sinon, Abby là, c'est Abby qui va nous montrer qu'est-ce que tu veux nous montrer ou bien c'est ta bouche. Tant que tu as la bouche pour parler, c'est le plus important. Même ceux qui n'ont pas de bouche peuvent même se lancer. Parce qu'il faut seulement avoir la tête pensée à comment recréer les choses, ma chérie. À cause de toi, je vais toujours porter cette robe pour te dire que c'est pas important de changer les habits à chaque fois. Peut-être, ma chérie, les petites blouses là de 2 $, 3 $ que je change, toi, c'est quoi que j'ai des habits? J'ai pas beaucoup. Le plus important, c'est pas ce que tu t'habilles. Le plus important, c'est ce que toi, tu nous partages. Le plus important, c'est ce que toi, tu nous donnes. Alors, on ouvre sa chaîne YouTube. Alors, je vais te montrer comment faire. Je vais mettre l'écran ici ou bien ici. Fait qu'il y a une petite place ici. Je vais te montrer comment faire. On va le faire avec notre téléphone. Je vais enregistrer l'écran pour que je te montre ici comment ouvrir sa chaîne YouTube 5 minutes chromax. Mais avec vous, comme vous avez dit, Linda, tu vas vite. Je vais y aller lentement pour que vous en sortir. On y va tranquillement, lentement. On se lance tout de suite. La première des choses, vous allez aller sur l'application YouTube. Votre application YouTube, la première des choses, vous allez aller sur votre application YouTube ou bien vous pouvez les télécharger si vous ne l'avez pas. Mais si vous me voyez, c'est-à-dire que vous l'avez vraiment. Puis sur mon YouTube, ici en haut à gauche, droite. En haut à droite, là où il y a une petite tête, d'ici une petite tête, je vais cliquer ici. Alors, ça va me dire c'est connecté, ou bien paramètres et tout. Moi, je vais cliquer sur mes connectés. Je vais cliquer sur mes connectés. Si ça t'amène un message comme ça, tu écris ici, tu cliques sur continuer. Alors, ici, vous allez mettre, par exemple, ici, ils vous disent courriel ou numéro de téléphone ou créer un compte. Vous allez cliquer directement sur créer un compte. On clique sur créer un compte pour une utilisation personnelle ou bien pour une utilisation professionnelle. Alors, moi, je vais écrire personnel. Fait que là, vous allez écrire votre nom, prénom et nom de famille. Ne vous en faites pas. Les prénoms et les noms que vous allez mettre, c'est pas ça qui va venir votre nom de votre chaîne YouTube. C'est juste la manière de le faire. C'est juste les mettre. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais écrire mon nom qui est... Ben, je vais dire, par exemple, je m'appelle Linda. Ben, comme vous voulez, je peux l'appeler... N'importe qui, je vais l'appeler le nom de ma mère. Je vais appeler qui même? Je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais appeler le nom de ma petite soeur. Charmante. Charmante, par exemple. Les noms de famille et facultatif, c'est que je vais cliquer sur suivant. Lorsque je clique sur suivant, il me demande les mois de naissance. Alors, sur les mois, vous mettez votre mois de naissance, l'année de naissance, et puis vous mettez votre genre, et même vous cliquez sur suivant. C'est ce que moi je fais. Les notes d'utilisateur, dans le fond, ça va être avec un Gmail, avec votre compte Gmail. Si vous ne l'avez pas créé, vous, ça pourrait être plus intéressant pour vous. Vous mettez votre adresse Gmail, c'est que vous le mettez, moi je vais le mettre, après on va cliquer sur suivant, que je vais le mettre, vous allez, on va cliquer sur suivant. Alors, lorsque vous avez mis votre email, dans le fond, l'email que vous devez mettre, vous allez mettre votre mot de passe. Mettez un mot de passe qui est archi compliqué. Mettez un mot de passe pour qu'on puisse pas un jour, tu sais, pirater votre compte, très très important, parce que votre compte est hyper, super, hyper important. Fait que vous mettez vraiment un mot de passe compliqué, mais je vous montrerai aussi comment vous pouvez sécuriser, il n'y a pas de problème. Mais mettez-vous un mot de passe vraiment compliqué. Alors, vous allez mettre les numéros des téléphones. Par exemple, moi, je suis au Canada, je vais mettre un numéro canadien, pardon. Lorsque vous mettez votre numéro, on va vous envoyer un code. Fait que c'est le code qu'on va vous envoyer que vous allez mettre sur entrer les codes. Moi, j'attends les codes pour que je mette les codes. Entrer les codes de vérification pour confirmer. J'attends les codes, j'ai pas encore reçu le code, mais normalement, vous devez recevoir les codes par message. Parfait. Ok. Donc là, quand j'ai mis mon numéro de téléphone, ils m'ont envoyé un code. Lorsque j'ai reçu les codes, j'ai mis le code que je viens de recevoir. Parce que je ne veux pas vous montrer mon numéro de téléphone, parce que vous, là, je vous connais, vous allez m'appeler matin, midi, soir, non. Parce que là, j'ai mis mon numéro personnel. Du coup, lorsque je l'ai mis, ça m'a encore amené à envoyer les codes, je les ai déposés. Après que les codes, je les ai déposés, après, je vais cliquer sur suivant. Donc là, ils me disent les conditions. Je clique sur d'accord, je suis d'accord. Je dois tout accepter, mon frère. Fait que là, c'est bon, vous êtes connecté à tant que charmante. Donc là, je suis connectée sur mon, dans le fond, c'est que je vais décrire. Mais là, maintenant, je vais maintenant
bien faire ma chaîne. Donc, on s'en va sur YouTube, on va voir maintenant notre chaîne qu'on a créée pour l'embellir, pour mettre notre photo de profil, mettre notre miniature YouTube, pour aussi mettre la description de notre chaîne, de quoi on va parler, qui sommes-nous vraiment. Une fois les gens sur notre chaîne, qu'est-ce qu'ils vont voir? Alors, des fois, c'est en haut à droite, hein, tout comme c'était en bas à droite, ça dépend des téléphones. Là, pour le moment, chez moi, c'est en bas à droite. On va cliquer. Là, maintenant, je vais cliquer sur... sur mon compte qui est charmante que je vais décrire, je vais changer ma photo de profil, je vais mettre une photo de profil, je vais sélectionner une de mes photos dans mon, c'était pas une photo de prévu mais je vais prendre n'importe quelle photo, j'ai beaucoup de photos, je vais prendre n'importe quelle photo, il n'y a pas de problème. Ok, là par exemple je vais mettre les chiffres 3 ailleurs, juste l'exemple. Ok, là, c'est ma photo qui est là. Là, maintenant, je vais maintenant mettre mon nom. Ça dépendra maintenant de vous. Est-ce que vous voulez garder votre nom que vous avez créé au début? Est-ce que vous voulez parler de... Tu vas dire... Money. On dit money. Money. Juste l'exemple, ok? Money. Je vais écrire quoi? Money. Une fois, je ne connais pas anglais. Je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que j'ai cliqué sur créer, ça me donne cette page. Je vais cliquer sur les petits trucs ici. Je ne sais pas si vous allez voir sur mon écran, qui est comme un petit stylo. Je clique là-dessus. Là, maintenant, vous allez voir. Il faut que je prenne prendre une photo pour, par exemple, pour ma miniature. Alors, je vous conseille d'avoir toujours les bons formats des miniatures. Je vais cliquer sur prendre une photo. Et si je l'aimais, elle va être là. Ok, très très important. Et puis ici en bas, vous voyez, en haut il y a la miniature, en bas il y a là c'est écrit description de ajouter la description. Je vais cliquer sur ajouter la description. Là par exemple, je vais parler de moi maintenant. Bienvenue sur ma chaîne, ici Linda B, c'est la première fois par ici. N'oubliez pas de vous abonner parce que moi je vous partage des vidéos sur gagner de l'argent. Alors, vous ne récitez pas comme ça. Je vous donne l'exemple. Là, vous allez écrire « Bienvenue sur ma chaîne » où vous parlez un petit peu de votre chaîne. Vous parlez aussi de la fréquence des publications. Donc, par exemple, je peux dire « Moi, je publie chaque lundi, mercredi et vendredi sur ma chaîne YouTube. Par exemple, à 7h30, heure du Canada. » Fait que vous allez faire une brève description de votre chaîne et puis vous allez cliquer sur « Enregistrer ». Très, très important. Et puis aussi, c'est pour la miniature de votre chaîne YouTube, vous cliquez sur la petite photo et vous mettez la miniature. Après, quand vous serez prête pour publier, votre chaîne YouTube sera vraiment, mais vraiment prête. Donc, c'est juste ça, il n'y a vraiment pas rien de compliqué. Ça se peut qu'au début, vous dites, ah Linda, c'est compliqué pour moi, mais faites la vidéo, mettez la vidéo au ralenti, écoutez la vidéo lentement et vous allez vous en sortir. Alors, c'est très, très important de mettre les bons formats. Par exemple, pour une photo YouTube, il faut mettre vraiment le format de la photo YouTube qui est de 800 × 800 pixels, très très important. Et puis pour la miniature, il faut mettre vraiment les bons formats pour la miniature YouTube. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à faire des miniatures, vous dites comment faire, ça me fera énormément plaisir de vous montrer comment faire des très très belles, miniatures YouTube, par où commencer, quoi faire pour aussi maximiser vos chances. Alors prenez soin de vous, que le bon Dieu vous bénisse et puis abonne-toi pour ne rien manquer. À la prochaine, bye bye.